Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année 2020, de ce qui s'est passé sur ma chaîne. Il y a eu des hauts et des bas, et ben j'en parle tout de suite avec des extraits, etc. de ce que j'ai fait vraiment sur ma chaîne, des vidéos, des vlogs, et ça, j'en parle tout de suite. Et oui, il fait froid et je suis dans le jardin de mes parents. Voilà. Et du coup, il y a 11 mois aussi, j'ai fait un vlog. Exactement, un vlog au Roche du Diable, et le Roche du Diable était vraiment pas mal. C'était dans la forêt, il y avait le ruisseau et les roches, etc., avec une légende. C'était vraiment super beau, j'ai trouvé, et j'étais avec une amie à moi, voilà, qui ne m'a pas voulu être filmée, évidemment. Et puis c'est l'année dernière aussi, en 2020, ce qui s'est passé, vraiment un truc génial. J'ai eu enfin mes 1000 abonnés et franchement, j'adhère et ça m'a fait grave plaisir. Vraiment, vraiment grave plaisir avoir mes 1000 abonnés. Bon, depuis ça n'a pas monté énormément, je suis à 1224 abonnés. Ça monte petit à petit, mais ça monte quand même, et j'ai rencontré des nouvelles personnes, etc. Et franchement, voilà. Et il y en a qui sont là depuis le début de la chaîne, et je vous remercie à tous. Puis, un événement génial qui s'est passé même après, justement, j'avais fait la vidéo des 1000 abonnés, et ça s'est passé un truc génial. J'ai eu ma nouvelle collaboratrice, ma première collaboratrice, ça m'a fait plaisir. Amandine Dro, je te mettrai le lien de ta chaîne en description, et franchement, ça m'avait fait plaisir. Ce moment-là, et franchement, c'est l'une de mes des faits 2020 qui m'a vraiment plu. Puis en mars, il y a eu un truc qui s'est passé, évidemment. Tout le monde sait, il y a eu ce terrible virus. Une semaine après l'annonce du virus, je devais partir aux États-Unis faire un vlog. Et malheureusement, j'ai pas pu faire un vlog aux États-Unis. On devait partir deux semaines. Et malheureusement, ce qui est arrivé, on n'a pas pu. Ils ont fermé les frontières. Et du coup, j'ai pas pu aller filmer. On devait aller faire 5 états. Avec une voiture, donc en mode aventure avec mon meilleur pote et ma meilleure amie. Et malheureusement, on n'a pas pu y aller. En plus de ça, on devait faire le Roissolmania. Hein. Le Roissolmania, c'est quoi? C'est un événement de catch, voilà, avec des grandes stars. Dommage, c'est dommage pour ça. Bon. Malgré ça, j'ai quand même réussi à faire des vlogs après le confinement, évidemment, hein, parce qu'on a été en 2 mois de confinement. C'était vraiment compliqué, hein, c'est l'année 2020, parce que j'ai pas pu faire des vlogs. J'ai fait quelques vidéos pendant son confinement à la maison. C'était pas terrible, hein, évidemment. Après, je parlais du Japon. J'ai commencé, grâce au confinement, j'ai commencé à faire mon Sangha Story. D'ailleurs, il faut que j'en refasse, mais il y a une histoire que je vais avoir du mal à parler. Et voilà, le meilleur truc qu'il y a eu en confinement, j'ai eu un nouveau thème sur ma chaîne, c'est le Sangha Story, où je parle de ma vie, de ce qui s'est passé quand j'étais plus jeune, et ça, c'était d'ailleurs, toutes les vidéos que je vous parle, allez-y, hein, allez-y regarder si vous n'avez pas été voir encore toutes ces vidéos. D'ailleurs, c'est très intéressant quand je parle de ma vie, et ça peut être marrant comme ça peut être triste. Bon, là, les histoires que j'ai racontées, il y a une histoire drôle et une histoire triste, évidemment. Puis après le confinement, j'ai été à Quiberon pour faire un vlog. Évidemment, j'ai en profité pendant ces périodes-là où ça y est, on était déconfinés,
évidemment, parce que j'avais vraiment peur qu'ils reconfinent juste après. Et du coup, j'ai été à Quiberon. Quiberon, magnifique ville avec ses côtes sauvages. Et franchement, j'ai adoré. Vraiment des paysages merveilleux. C'était vraiment un truc terrible. C'était vraiment fou. C'était perdu dans les côtes sauvages. Voilà. Et puis, avec ça, j'ai pu faire, mais c'était pas sur ma chaîne, c'était sur la chaîne à Amandine. On a fait une vidéo à deux. Allez-y, c'est sur la chaîne à Amandine. Malheureusement, j'ai pas pu faire sur la deuxième partie. Voilà, il y a eu un problème. C'est dommage. Il y a eu un problème de côté de Amandine, mais voilà, c'est pas grave du tout. C'était notre première vidéo ensemble. La première partie, elle est bien quand même. Allez-y sur sa vidéo. Voilà. Puis j'ai pas tout raconté évidemment. Je suis retourné à Malétroit aussi, Malétroit pour refilmer avec ma mère. Ce lieu magnifique, hein, c'est chez mes parents, c'est pas loin de chez mes parents, et franchement c'est un lieu à visiter. Donc si vous voulez passer en Bretagne, passez à Malétroit. Voilà, par contre c'est pas à la mer, c'est vraiment, j'essaie de diversifier, être à la mer et aussi en terre, hein, évidemment. Voilà, et franchement c'est pas mal. Et puis aussi un événement, et oui, 2020, même s'il y a eu de mauvaises choses à cause de ce virus, j'ai eu pas mal, vraiment pas mal de trucs qui étaient positifs sur ma chaîne. J'ai eu ma nouvelle caméra, d'ailleurs je filme avec, évidemment, j'ai un petit micro, hein, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un peu de vent, etc. Mais voilà, j'ai eu une nouvelle caméra, je crois que c'était en novembre, et franchement, ça c'est le plus positif quand même, avec évidemment ma nouvelle collaboratrice. Et voilà, le gros positif c'est que j'ai eu ma caméra, je me suis mis quand même un peu dans la merde parce que ça coûtait cher, hein. Ça coûtait dans les 800 euros quand même, cette caméra. Mais voilà, j'ai eu de l'aide de mes parents pour ça quand même, pour aider à payer. Voilà, même si je le rembourse tous les mois, voilà. Le point positif, c'est ma caméra qui est là. Voilà. Autre chose, j'ai eu de nouvelles activités après le travail. J'ai trouvé du travail en 2020. Et puis, j'ai d'autres activités. Hein. Je vends du parfum. Et là, en ce moment, je vends aussi des trucs de bien-être. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui veulent être coachés, etc., j'ai un groupe Facebook. Je mettrai en lien en description. Voilà, ça pourrait vous aider si vous voulez avoir une prise de masse ou maigrir ou quoi que ce soit. Ou pour ceux qui veulent acheter des trucs pour des anniversaires, voilà, Shogun, la marque Shogun qui vend du parfum, et je vous vends du parfum grâce à cette marque, et c'est de la vraie marque, c'est pas c'est pas de la camelote, hein. Ça mes clients peuvent vous dire, c'est vraiment incroyable ce qui se passe avec cette marque. Et puis aussi j'ai fait d'autres vlogs, évidemment j'ai été à la chaise du diable avec mes collègues. J'ai vraiment adoré. On s'est perdu en plus. On ne savait pas où c'était vraiment la chaise du diable. Allez-y, c'est marrant parce qu'on cherche partout. On était avec les chiens. Voilà, c'était le bordel. Et franchement, c'était vraiment sympa. En plus, ça pleuvait. Ouais, c'était vraiment bien. D'ailleurs, c'est sur ma chaîne. Allez-y, évidemment. Puis après, on a été au Fort Bloqué. Au Fort Bloqué, qui franchement, c'était vraiment sympa aussi. Et là, je crois que c'est la vidéo où je me suis plus amusé avec mes montages. Voilà. Je me suis même en filmant, je me suis bien amusé. Je me suis filmé derrière. Franchement, c'était vraiment pas mal. Je me suis bien investi sur cette vidéo.
Franchement, des trucs de perte de vue. L'endroit magnifique, il y avait des chevaux. J'ai vraiment bien filmé ça. Allez-y sur ma chaîne, vous regardez cette vidéo. D'ailleurs, il y a aussi les côtes sauvages où j'ai adoré. Il y a eu aussi l'histoire de cet endroit que j'en ai parlé. Et puis, un autre événement. Bon, ça, c'est au début 2021, mais j'en parle quand même. Voilà, parce que la vidéo, elle va être clore. On a un troisième collaborateur qui nous a rejoint dans notre team. Voilà, c'est super. Et franchement, bienvenue dans notre team. Il s'appelle Louis. Voilà, donc notre nouvel nom de team, il s'appelle Ama Louis Songa. Ouais, voilà. Oui, c'est pas recherché, chiste. Ouais, bah les noms, voilà. Mais si on a un quatrième ou cinquième, ça sera un autre nom. Hein. On va pas mettre Ama Louis Songa et un autre nom. Non, on va changer. On va avoir un vrai nom de team. Voilà. Voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. C'était pas une vidéo comme les autres, évidemment. J'ai parlé un peu de ce qui s'est passé en 2020 sur la chaîne. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Là, je vais parler un peu. Je fais une autre vidéo exactement pour parler de l'année 2021, ce qui va se passer sur la chaîne. Et j'espère que ça va se concrétiser, pas comme en 2020 avec ce virus. Là, c'est mal barré, mais j'ai quand même de quoi faire. J'espère que ça va se faire, ce projet. Le projet 2021, j'en parle ça tout de suite, mais pour vous, ça sera pour la semaine prochaine. Ou là, dans deux semaines, hein, parce que j'ai fait plein de vidéos pendant que j'étais en vacances chez les parents. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt et tchuss !